Bonjour à tous les amis, on se retrouve ensemble pour un nouvel épisode de Don't Cry. Alors vous avez été des centaines à me demander la suite. Il y a eu des pétitions qui ont été faites, des manifs dans la rue, des trucs de malade. Donc je suis content que ça vous plaise les amis, vraiment. Donc je vais faire chauffer ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire chauffer en fait. Mais essayez d'être un petit peu plus patient s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois que je pose une autre vidéo autre que Don't Cry, c'est direct. À quand Don't Cry, Elvis, c'est quand le prochain Don't Cry, machin. Alors, je suis content que ça vous plaise, mais c'est vrai que c'est un petit peu démoralisant pour le reste de mes vidéos quand même. Alors, je vais mettre une blood ici et une blood ici, si j'ai la place. De toute façon, on va virer ça là. Ok, donc on se retrouve, on est ici. Alors, oui! Avant, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, le dernier épisode, il y a eu plein de cuts, car j'ai des bugs dans le Nether. Voilà, j'ai des gros bugs dans le Nether. Dès que je croise un squelette noir, ça fait planter mon truc. Donc, je suis retourné dans le Nether tout seul, sans filmer, parce que ça a fait crash au moins 30 fois le truc, et j'ai réussi à choper, enfin 30 fois, j'exagère, mais 6 ou 7 fois, donc ça me saoulait de filmer ça. C'est absolument pas intéressant de me voyager rager plus qu'autre chose. J'ai quand même réussi à choper deux Blaze Rod. Donc je suis content. Donc c'est ce qu'il nous fallait pour faire le bâton d'Herobrine. Donc ça, on va les laisser ici. Hein, on va les laisser là. J'ai plein de trucs qui me servent un peu à rien. Attendez, je vais refaire un coffre. On va se refaire un coffre. Hop. Et c'est vrai que j'ai pas la 1.5. Tac. On va le mettre à côté. On va un peu se vider l'inventaire parce qu'il y a plein de trucs qui servent à rien. Hop, ça, tout ça. Voilà, c'est un peu le bazar, mais voilà. Ok. Alors, on va un petit peu descendre dans la. Aujourd'hui, on va un petit peu aller miner. On va un petit peu miner parce qu'il nous faut pas mal de diamants. Attendez, alors attends, ça c'est du fer. Est-ce que j'ai. Ouais, je crois que j'ai pas mal de fer quand même, ouais. Je vais m'en refaire un. Non, pas ça que je vais faire. Je vais m'en refaire une épée. Pas en diamant. Voilà. Si besoin. Et on va aller miner. Donc j'ai ma pioche en diamant, donc ça c'est pas du tout un souci. Donc on va aller miner. Parce qu'il nous faut pas mal de diams pour faire le bâton d'Herobrine. Seul problème, c'est que du coup, bah, va falloir que je mine un bon petit moment quand même. Est-ce que j'ai mon son assez fort? Oui. Ok. Ok, on est parti. Alors attends, oui, c'est bon, c'est bon. Parce que je me suis dit, si jamais je croise des anges, il faut que je puisse les tuer. Comment on va faire? Parce que bon, on était parti là-bas, on n'avait pas trouvé de diamants plus que ça. Est-ce qu'on essaye de. Ouais, de se refaire un autre. Une autre. Comment? Une petite. Petite caverne à la main. Ça va être un petit peu dommage quand même de. Slim Ball, ça? Ouais. Ça va être un petit peu dommage de creuser en mode j'aurais préféré faire une caverne. Mais on va vraiment pas trop avoir le choix, je pense. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de d'aller par là et de creuser. D'ailleurs, j'ai l'impression que il y a du monde. Alors, on va voir. Je vais me regarder juste 2 secondes. Où est-ce. Ah bah, tenez. Une caverne ici. Donc c'est cool, comme ça on va pas creuser dans le vide entre guillemets. On va devoir un petit peu affronter. Ok. Voilà, allez, plus ta tête, tu devrais plus pouvoir normalement tirer trop. Oh, on a un joli zombie complètement tuné. Allez, meurs. Voilà, la tête morte, la tête coupée, il va mourir tout seul dans pas longtemps. Attendez.
Waouh! Il m'a droppé son torse et ses chaussures. Excellent. Bon, faut que ça m'arrive. Bon. On a un petit slime là. Là, on a de la lave. On va faire super gaffe. Tu vas mourir tranquillement, toi. Alors, il nous faut du diamant. Surtout, il nous faut du diamant. Parce que j'ai besoin. Je regardais mon deuxième écran, j'ai eu très peur. J'ai besoin d'un bloc de diamant. Donc, il nous faut 9 diamants. Sachant qu'on en a déjà 3. Donc, si vous faites le calcul rapidement, il nous en faut, il nous en faut, il nous en faut 6. Peut-être faut que je fasse gaffe quand même avec ça. J'aimerais bien essayer de. De tuer le squelette. Non, j'y arriverai pas. Lui, il va m'envoyer des flèches empoisonnées. Lui. Enfin. Oh! Voilà. Il me faut du diamant. What? Je suis déjà passé par là? Moins que ce soit un donjon, mais je pense pas. Bah, apparemment, je suis déjà passé par là. Bien se prendre des claques, le creeper, il est super sympa. Et le deuxième va faire pareil, je pense. Allez. Là. Oh. Ah. T'es moins content que l'autre. Est-ce que je descends ou est-ce que je descends pas? On est où là? Couche 20. Couche 20, couche 20. Non, on va plutôt essayer d'aller par là-bas. Allez. Voilà, on va plutôt essayer d'aller par là-bas. Donc ouais, il faut que je fasse forcément du minage. Du minage, il me faut le bâton d'Herobrine à 1. Voilà. Allez, on avance. Là, il y a quoi là? Ouais, ça descend. Ouais, de la lave, ok. Petit seau d'eau ici. Va un petit peu creuser, on va regarder si jamais à côté de la lave, il n'y aurait pas par chance un petit peu de diamant, s'il vous plaît. Hop. Là, je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Ok, allez, on avance un petit peu dans le. Bah, là où potentiellement il pourrait y avoir du diam, si on est quoi? On est en 11. Ouais, bah écoutez, ça pourrait être pas mal ici, hein. Tac. De la terre, je pense pas avoir de. De pelle, si. Si. Donc. Par contre, j'ai plus beaucoup de torches. Beaucoup de charbon non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, moment pas forcément très. Très ouf, hein. Minage obligé. Il nous faut ce bâton pour qu'on voit où est Herobrine. On va miner un peu. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller un petit peu après se balader dans la forêt. Voilà, parce qu'il faut un petit peu qu'on voit un petit peu les autres survivants. Voir si j'arrive moi à survivre dans cette forêt. Il y a peut-être un autre truc là-bas. J'entends un squelette. Ce serait bien qu'on ait un. Une autre caverne. Ah. Apparemment par là. Il y a de la lave pas loin, faut que je fasse attention quand même. On va plutôt partir là-bas. Je suis en couche 10 là. 11. On va monter d'un cran, j'aime bien être à la couche 12. Tac. Voilà. Bon, ouais, il faut qu'on trouve du diamant, malheureusement. Ouais, il nous faut 6 diamants. Ça peut se faire assez vite, hein. Ça peut se faire en deux. Seulement deux filons de diamant, ça pourrait être cool. Parce que un filon de diamant avec 6, quand même, ça me paraît un peu short. Ça va me faire chier le.
Ah d'accord. Ah ok. Ok, bon. J'ai déjà cherché par là, on va chercher par là. Hein. On va aller. Oh mais non, mais le gravier là. Voilà. Encore quelques minutes de minage, essayer de. Ah yes! Ah très très bien. Allez, un gros fion, ça serait vraiment top. Topissime. Je fais tout le tour comme d'habitude. Oh, j'ai l'impression que c'est quand même un bon gros filon là. Ouais, au moins. Au moins. Ouh, oui! Attendez. Qu'on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les amis! On en a 9! On en a 9, les amis, c'est excellent. Alors attendez, je regarde. Est-ce qu'on avait du lapis? Je sais plus si on avait du lapis. Oh putain, excellent! Un filon de 6 diamants, ouais, ok. Très bien. Très bien. Un filon de 6 diamants. C'est quand même plutôt rare. Il y a un squelette là, attention. Faisons pas les fous. Oh, j'ai enlevé un bras là, une tête aussi, tu vois. Hop. Genre, tu tires des flèches. Genre, comment tu tires des flèches là? Ok. Donc, faut que j'arrive à remonter. J'arrive à remonter. Bah, on est. Eh, mais ouais, mais c'est bon, on est déjà là. Ah, c'est excellent, j'ai réussi à retrouver mon chemin sans le vouloir. Mais parfait! Alors j'espère qu'on a du lapis, sinon au pire, bah faudra aller en chercher, mais ça je pense que ça doit pas être très très compliqué, même peut-être même ici il y en a déjà du lapis quelque part, pas là dans le, enfin, dans le coin là. Ok, bruit ultra flippant. Voilà, on remonte, on va se faire notre bloc de diams, qu'on va garder sur nous bien sûr, hein, on n'est pas fou. Et c'est maintenant que je suis perdu, alors attendez, tac. Je crois que c'était. Non, pas là. Là-bas. Ouais, là-bas. Ouais, ça fait un petit moment du coup que j'ai pas. Faut que je mange aussi, moi. Oh là là. Ma vie ne remontait pas, je faisais même pas gaffe. Voilà. Non? Putain. Ah, c'est là, voilà. Enfin trouvé. En même temps, j'indique ça comme une merde aussi, donc forcément, je galère. On va se faire notre bloc de diams. Il fait nuit, donc on va aller se balader. Apparemment, il y a pas mal de monde. Ah, on a notre bloc de diamants. Est-ce que je le. Ouais, je vais laisser dans le four. Ça brûle pas, ça, ouais. Je le laisse dans le four parce que vous m'avez dit la petite technique. Ce qu'il y a, c'est que je pourrais le garder sur moi. Mais si je meurs dans la forêt, comment dire en étant poli, je serais blasé de la life fois 1000. Allez, on est parti. J'ai pas. J'ai vu un tout vos défis, essayer de tuer Slender, tout ça. On essaiera. Le seul truc qu'il me faut, c'est du stuff. Hein. Concrètement, là, tout de suite, si je vais essayer de battre Slender, déjà, je vais flipper ma race parce qu'il est flippant. Et si j'essaie de le tuer maintenant. Oh putain, ça y est, ça commence déjà. Ok, allez. Pff, allez. Faut que j'arrive. Alors là, mon défi que je m'inflige. Faut que je trouve Slender. Que j'arrive. Mais qu'est-ce que je fais moi? Et que j'arrive. Est-ce que je regardais le truc à gauche en fait? Et que j'arrive à lui échapper sans mourir. Quand il y a celui-là, avec son armure là. Attendez, je vais quand même regarder la map de temps en temps. Voir la map à côté. Non, pas si loin la map, la pioche, parce que si jamais il y a des. Alors attendez, la map. Qu'est-ce qu'elle me dit la map là? Je la charge. Parce qu'il faut pas que je me perde non plus. Ok. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que j'arrive à trouver Slender, enfin plutôt que lui me trouve. Et que j'arrive à lui en échapper encore une fois, ça va être mon petit défi du jour. Il y a plein d'araignées. Oh! Oh putain, j'ai eu un lag. Pourquoi j'ai eu un lag comme ça? Ah, le jour se lève. Mince, j'ai mal géré mon timing. Pourquoi est-ce que j'entends? Apparemment, il serait pas très loin là. Mais je vois rien. Par contre, et si les moutons commencent à me faire flipper, ça va pas être cool. Hein. Oh, c'est un villageois chelou. Ok, allez, on se barre.
c'est de fuir les araignées. La musique s'est arrêtée. Il fait jour, à mon avis, il va me lâcher. Il m'a lâché. Bon, du coup, ouais, j'ai mal géré mon timing. Dommage, c'est pas grave. On aura eu quand même le... Attendez. Putain, c'est quoi ça? Oh! J'ai mes jambes toutes crispées là. Quoi, il était à côté? Oh putain! Mais je le vois pas! Oh putain, il est là, il est là, il est là, ok, on se barre, on se barre. Oh là 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 là. Ma carte, ma carte. Putain, faut que j'aille par là en plus. Non, 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 non. Putain. Ouh, ça, c'est ma tour. Ah, il est à droite. Allez, 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 calme-toi. Putain, mais ouais, il est à côté de chez moi, là, barre-toi. Je peux pas le taper, là. Enfin, si je le tape, je suis mort, c'est sûr. Ok. C'est bon, hein. C'est bon, il m'a lâché, je crois. J'ai du lapis, très très bien. Alors attendez, je regarde. Est-ce que j'ai de la redstone? Oui. Donc attendez, tac. Faut en même temps, je regarde le modèle. Donc tac tac et les deux blaze rods et le truc de James. Donc là, hop, avec les deux, ensuite tac et ensuite tac. Voilà, j'ai mon bâton d'Herobrine. Alors je sais pas trop comment on s'en sert en fait. Attendez. Nowhere to be found. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je sais, je suis nul en anglais à mort, mais to be found, c'est te trouver ou un truc comme ça. En fait, apparemment, avec ce bâton, je peux le taper. Si je le, s'il est à côté de moi, je peux le taper et je peux pas le tuer, mais en fait, je peux lui. Bah, je peux lui infliger des dégâts et il peut me donner, je crois, des loot en fait. Intéressant. Donc, on va se garder le bâton pas loin de l'épée, hein. Et voilà, comme ça, on aura de quoi lutter si jamais on le croise. Ouf, et non, mais j'ai pas tout compris le délire avec je voyais plus rien et tout. Je pense qu'il devait vraiment pas être loin, en fait, de moi. Il devait être vraiment tout proche. Alors ouais, en plus de ça, si jamais lui il fait des gros dégâts et si en plus il me met du blindness et tout pour pas que je puisse voir, ça va vraiment être horrible à tuer, hein, Slender. Mais je vais quand même essayer, j'essaierai, hein, je vous promets que j'essaierai. Dès que j'aurai un peu plus de stuff, parce que là du coup, bah, j'ai plus du tout de diamants. Il faut que je me refasse toute une armure en fer au minimum, hein, même si j'aimerais bien avoir l'armure en diamants, mais ça sera beaucoup trop long. Il me faut au moins l'épée en diamants, ça c'est clair et net. Et on essaiera de se le tuer, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que prochain épisode, on passera la journée à essayer de chercher encore un peu de diamants pour se faire du stuff. La nuit, on la passera dehors, hein, on va se faire des petites peurs comme ça, hein, essayer de chercher un petit peu le combat et tout, essayer de chercher un peu la merde. Il y a encore quelques mobs qu'on n'a pas vu, donc il faudrait qu'on croise un petit peu, voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc voilà, bon, je vais essayer de me reposer un petit peu, on va se détendre.
Et moi, je vous dis au prochain épisode pour tout ce petit programme à faire, les amis. Allez, je vais me reposer, à très bientôt.